Bonjour et bonsoir, c'est encore Gustave Kalonji. Je reviens vers vous pour parler de notre pays, le Congo démocratique. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui à partir de Denver, Colorado. Nous sommes précisément au milieu des États-Unis, pour ceux qui ne savent pas localiser là où nous sommes. Je sais que beaucoup de gens ont l'idée sur New York, sur Chicago, Los Angeles, Dallas et Las Vegas. Ben, nous sommes au milieu. Donc, nous vous parlons à partir de Denver, Colorado. Merci, je dis bonjour chez vous tous et je vous dis aussi bonsoir. Aujourd'hui, toko kene mbango mbango tour le blakaka makamomoko moi otozo remarqué mikoloyo. Nous allons parler de la main sale de Félix Tshisekedi. Toyebi ke batu moko boye, à un moment donné, ils ont parlé de la main sale. Allons-y tout droit au but le bela la main sale de Félix Tshisekedi. À ma grande surprise, je suis en train de me rendre compte que la main sale, c'est la main la plus propre qui puisse exister au Congo. On va en arriver. Maintenant d'abord, tozo ke ndembango mbango to le bela makambo o ya minembwe. Po to yotike banyamulenge o bavandi na côté ya ba mboka lokola ba Washington et d'autres villes là-bas à Maryland, balingi ba kende na Capitol Hill pour aller dire parler ma makambo massacre ya minembwe. Il y a un problème sérieux. Hypocrisie eza makasi na bande konabiso ya Rwanda na batu ya Banyamulenge wana. Faut appeler quelque chose par son nom. Combien de Congolais sont morts à l'est du Congo? Na chaîne nabiso Gustave Kalonji TV, parce que nous parlons sur le changement des mentalités et l'éveil de la conscience. On ne vient pas ici pour distraire les gens. Tozo ya wate poto lo bamakamo wa lukuta pour se faire valoir. Tozo ya kolobaka vérité. Na chaîne Nabiso Oyo Gustave Kalonji TV, Tolobelakaka Vérité, et puis nous parlons sur le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Quand les Congolais sont morts à l'Est, nombreux, des millions et des millions ont fait couler leur vie. Tomona Ata Mounyamulenge Moko, Asala Pancarde, pour dire fini les génocides, le Rwanda est en train d'attaquer le Congo avec l'Ouganda. On n'a jamais vu ça. Tomona Eloko Wanate. Mais les Banyamulenge se prétendent être Congolais. Quand d'autres Congolais sont en train de pleurer, de pleurnicher, de crier dans le chagrin, les familles disparaissent. Batubazo Koufa. On n'a pas vu un groupe d'un certain groupe de Banyamulenge qui se prétendent être Congolais. Bazwata Pancard, Mokobake Ndebalo Bake. Non, nous voulons la paix à l'Est. Le Rwanda et l'Ouganda sont en train de nous menacer et commis génocide. Beaucoup de Congolais sont morts. Une affaire de 10 millions de morts. Je ne parle pas que Moutoumoko Akoufa. Bat Oba Koufa Baza tellement ébélé. Et vous pouvez me dire, est-ce que vous avez une documentation pour prouver que ça a 10 millions de morts? Naza une documentation te mena tanga, na kenda chik, na ebi, na yokola. Vous avez fait souffrir Badonabiso ya Manyema, ya Bukavu, ya Goma, Nord, Sud, Kivu, partout là-bas, Butembo et Beni. Tous ces gens-là ont souffert pas comme possible. Je dis bien à peu près plus de 10 millions. Bakoufa, Balala, Bosalaka marche à mon côté. Je crois que l'ONU n'a pas rapport mapping na bango baloba que c'était une affaire de 4 millions. Ils ont fait ce rapport de mapping là il y a combien d'années? Basala rapport ya mapping il y a très très longtemps. Les années ont doublé. La guerre n'a jamais fini. Ce qui basali rapport mususu Barolobaki a encore une affaire de 4 millions, sous 5 millions Bakoufa. Donc, Toko Makana 10 millions Tuzolobawana. Parce que quand les rapports mapping a été fait par les gens des Nations Unies, c'est un rapport qui a pris un temps d'année donné. Et puis, depuis le rapport Wane Bimati Lelo, il y a de cela plus de 10 ans. Presque 10 ans, je voulais dire. C'est-à-dire que ceux qui ont calculé les sous Bogomonake, Bakoufa sous sont encore nombreux. On est à plus de 10 millions de morts. Wana eza o bakufi na guerre. Mais parlons de ceux qui sont morts de maladies, qui ne sont pas comptés. Parlons de ceux qui se sont déplacés, les réfugiés qui ont eu des maladies, qui n'ont pas eu des travaux, la famine qui l'a frappé et tout. Les maladies qui sont venues, les maladies de mains sales. Vous verrez qu'il y a eu plus de 10 millions de morts. Tomona bande konabiso o balobaza banyamulenge bazaba congolais. Tomona ata moko azwa pancarte te. C'est une preuve que bazaba congolais te. Être Congolais, ce n'est pas dire par la bouche. Nous ne venons pas ici prétendre « Congo est un gaï ». Naza Congolais, Congo est un gaï. Les gens qui disent, ils m'écrivent chaque jour ici. « Oh non, nous sommes Congolais. Nous sommes venus là-bas en 1880.
Bon, toi tu dis que tu es venu en 1880 au Congo. Ça prouve que ça congolais t'es. Parce qu'un vrai Congolais n'est pas venu en 1880. Il faut toi. Nous avons les Rwandais qui sont venus au Katanga pour travailler à Jekamine. Nous avons les Rwandais qui sont pris partout au Congo, à Kinshasa, pour le travail. Il y a plusieurs catégories de gens qui sont venus au Congo. Il y a d'autres Rwandais qui sont venus et qui ont demandé la nationalité que non, il y a comme un Congolais. Mais un Rwandais, à Boyakate, il y a un Rwandais d'origine, mais il y a comme un Congolais ou bien comme un Congolais à Changa. Wana, nazo respecté. Parce que c'est ce que tout le monde devrait faire. Il y a un autre Rwandais, lui, qui s'est dit que non, Nayam Bokoze Angaï, mais Ayaka Lokola réfugié pour combattre na Bango Baslaka na Rwanda. Akimakuna Aya, il s'est dit qu'il est Congolais. Mais tout ce qu'il fait, c'est au Rwanda. Mais c'est seulement la terre qu'il réclame. Quand les Rwandais et les Ougandais tuent le Congolais, pour lui, ce n'est pas un problème. Mais maintenant, quand aujourd'hui l'armée est en train de reprendre les choses dans les mains, ils sentent que maintenant tout devient sérieux. Oh non, on massacre les gens des Minyembwe. Nous, les gens, les Banyamuleng. Au Congo, il n'y a pas de tribu Banyamuleng. Nous, au Congo, toutes les tribus, quand c'était en 1885, là-bas à Berlin, qu'ils ont parlé pour partager l'Afrique, nous ne sommes pas venus après. Tu comprends? Les gens là nous ont trouvé, on a habité déjà la terre du Congo. Ce sont des royaumes et des tribus qui ont habité des années et des années d'autant. Et puis, Baya, Baloba Kenon, Tobengi et Lokoyo Congo. Donc, c'est une différence avec vous autres. Vous autres, Baya, Bamema, Binoa, Komema. Vous pouvez dire les dates, mentir, ça ne va pas changer. Je demande à mon peuple congolais. Boken na capital il lobby. Ce qui m'a ramené à solo, Botiaka génocide congolais, Botiaka Bongo, même sur un papier, c'est plus. Parce que le Congo englobe même Minembwe. Mettez seulement les pancartes dites génocide congolais. Vous qui habitez là-bas, nous avons vendu dans Denver, Colorado, dans Moussika, dans Wanate, vous qui êtes à Washington, vous qui êtes à Maryland, vous qui êtes à Pennsylvania, vous qui êtes à New York, vous tous qui pouvez être là-bas pour aller dire que les génocides étaient les génocides contre les Congolais. Nous avons été agressés et personne n'en parle. Voilà pourquoi chez Gustave Kalonji, nous parlons sur le changement des mentalités, l'éveil de la conscience. Tu peux venir dire que, oui, Binini, Zete Moko Boeza, ya manga. Yo, ye wana lobi. Naza manga, za manga. Mais quand tout le monde regarde là-bas, on trouve que toi, tu es les citrons. Namangie, tu peux beau sauter, tu peux tout dire, tu peux tout planter dehors, montrer aux gens que yo, za congolais, mais tu es dit qu'oza citron. Oza mangate. Alors vous pouvez venir, vous accrocher comme vous voulez, mais ça ne marchera pas. Ba politique na bino na bakagame, ba politique na lukuta, ou vous en angoya kouambrouye peuple congolais, et kosi mbakate. Le Congo, le moment d'être divisé est déjà passé. C'est quand votre frère Kabila était président au Congo, qui pouvait peut-être faire l'effort pour prendre une partie. Mais pas aujourd'hui. Il ne faut pas rêver. Il n'y a pas moyen qu'une terre du Congo se détache. Les Congolais, nous pouvons être là entre nous, tous au Canada. Mais la seule chose que naebaka, atao banyangala kata na biso ya Congolais, et le Congo naebaka pa na bango, pour na Congo mabele et okendete. Wana, tous d'accord. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous voulez nous diviser, au fur et à mesure pour la terre du Congo, elle ne sera jamais divisée. Vous devez déjà savoir ça. Alors, Bino Bataminemwe, si vous êtes Congolais, il ne faut pas venir nous chanter ça aux oreilles. Nous voulons voir ça dans vos œuvres. Parce qu'au Congo, il n'y a pas de tribu Banyamuleng. Oubliez ça. Il faut reconnaître d'où vous êtes venu. Moi, aujourd'hui, ici, on me dit que je suis Katangé na Kondima. Parce que na yebi ke biso baluba, te utane na Katanga. C'est normal. Je ne peux pas nier l'histoire. C'est vrai que je suis au Kasai. Mais je sais que mes origines, c'est du Katanga. Même quand nous avons des problèmes avec les Katangais, Bazaka Bandeko Nangaï. Parce que même dans la famille, on peut se battre aujourd'hui ou demain, mais nous sommes les mêmes frères. Batoua na Bandundu, Bauta na Kasai, Soki Boye Bakate. Bazaka Bandeko Nabiso, nous sommes un seul peuple. Même les gens du Bandundu que vous voyez, même les gens du Bas-Congo que vous voyez là, c'est un seul peuple. Donc nous sommes un seul peuple comme nous sommes là. Vous pouvez tout dire, nous connaissons qui est Congolais, nous connaissons les tribus du Congo. Vous touchez nos frères du Maniema, vous nous avez touchés. Vous touchez nos frères de l'Équateur, vous nous avez touchés. Vous touchez nos frères du Haut Congo, Haut Congo, dans les Kisangani et partout, vous avez touché le Congolais. C'est comme ça. Donc, nous connaissons qui nous sommes,
Nous connaissons nos tribus, nous connaissons nos royaumes. Il ne faut pas venir nous distraire. C'est ce que j'allais dire sur le problème des Minembwe. Alors nous continuerons à parler les génocides contre les Congolais parce que nous sommes morts nombreux. C'est ce qui prouve même que vous n'êtes pas Congolais quand vous partez pour dire qu'on vous menace à Minembwe. Pourquoi? Parce que nous réclamons notre terre. Totiabinowana Bolia, Botonda, et puis vous pensez que terre est commis à Bino. Vous voyez? Mais je crois que ça sera difficile même d'avoir la nationalité congolaise parce que quand tout s'arrange, nous n'accepterons pas des bêtises comme ça. Tout le monde doit suivre la loi, tout le monde doit suivre des règles. Attends, aux États-Unis, on ne peut pas seulement venir comme ça en désordre, te vendre pour dire que non, je suis devenu américain. Moi, je ne suis pas américain. Naza Moulouba, et puis Naza Congolais. Nalobina Moulouba, et puis Congolais. Parce que je commence par chez moi. J'avais un royaume. Nous avons un royaume de Ilunga. Nous connaissons là, nous sommes venus. C'est là chez nous. Donc, au Katanga, là, ils n'arrivent pas à Nabisso. Oh non, vous savez, les 30 ici, vous allez voir ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver? Rien ne va arriver. Parce qu'en réalité, Naza Pe Katangé. Parce que mes grands-parents, arrière-grands-parents, Bauté na Katanga. Oro Tianga Wapi. Pour Katanga, Naza Pe Abisso. Alors, il ne faut pas essayer de diviser le peuple congolais. Vous venez avec des histoires pour diviser, ça ne marchera pas. Nous continuons avec la main sale de Tshisekedi. Nous nous sommes rendus compte que la main sale de Tshisekedi, c'est la main qui a purifié tout le monde. Quand Katumbi, ça n'a pas marché avec Kabila, il est parti vers la main sale de Tshisekedi, pour récupérer moi la mer. Moi la mer, il y a un esprit qui m'a dit, pour qu'il y ait un mbongo, mbongo, il y a un Congo, il y a un mbongo, il y a été. Il y a un mbongo, lui devient le chef. Ce n'est pas possible. Mais c'est la main sale qui l'a blanchi. Fayou la outa, ceux qui Cameroun, ceux qui Wapi, ceux qui Sénégal, ceux qui Wapi, à Koma Congo, Mbangu, na main sale wana, de blanchi, ça y est, à Koma, Ndengaza wana Congolais, à cela la paix politique. Aujourd'hui, à Bandou, le baké, yé, aïe binat, Félix Tshisekedi, aïe papa, naïe kolekanat, Félix Tshisekedi, yango. La main sale vous a blanchi. Mouzito avec Kabila, 4 ans, premier ministre, il n'a rien fait. Aujourd'hui, il nous raconte, il nous dit, vous savez, nous sommes prêts à accepter Félix Tshisekedi. Non. Bon, yukondi mayete. Lui, c'est la main sale. Vous ne pouvez pas accepter la main sale. Comment vous voulez maintenant Bondi Maye? Mais où sont partis la vérité des urnes? La vérité des urnes est Kenda Wapi. Alors vous êtes aventuriers. Vous voyez que vous n'êtes pas sérieux. Comment on peut vous donner le pays à vous, des gens qui changez vos paroles comme ça? Hier, c'est la vérité des urnes. Aujourd'hui, c'est la main sale. Après demain, bon, nous pouvons accepter. Alors qui êtes-vous? On peut vous balloter par tout vent qui passe par vous. Alors, il y a un peu de Congoté. Voilà pourquoi il paye à Gustave Kalonji, tout le bacac à changement de mentalité et l'éveil de la conscience. Parce qu'il faut tout éveiller le peuple Nabisso à comprendre qui faire confiance et qui ne pas faire confiance. Quand un peuple ne comprend pas ses droits, quand un peuple ne comprend pas qu'est-ce qui est important pour lui, ce peuple-là, c'est un peuple perdu. Si quand il mousit les lots blanchiriers, et puis il nous parle que les investisseurs ne viendront pas, aujourd'hui, il va reconnaître la main sale. Non! Oh non, il faut que quelqu'un qui s'est reconnaître qu'il y a eu des irrégularités dans la élection. La France l'avait dit. La Belgique était de votre côté. La France était de votre côté. Bamindel, les Suisses, ils ont dit ça. Ne revenez pas. Vous avez été mal élevé. Vous voulez seulement venir avoir Ozoape Mosolonayo, Ozoape Elokonayo Mouke. Ça, ce n'est pas une bonne éducation. Vous avez étudié, non? Tu as fait l'économie, Mosito. Kendo Loka Moussala. Loka Moussala, Sala Moussala, Liasabananayo. Onyon so yiba ya Congo, oko sanza yango. Oba parcelle o bozoa, ba multinationaux, oba pesabino ba mbongo, bozoa ba parcelle ya gouvernement etikan la bino. Boko zongi sa yango. Congo eza ya binote, Congo eza ya bisounyon so tout. C'est la main sale de Tshisekedi maintenant que vous voulez reconnaître. Non, on ne reconnaît pas une main sale. Mais c'est cette main sale là qui vous a blanchi. Voilà comment vous êtes comme Judas. Vous avez pris Joseph. Vous l'avez vendu. Vous avez pensé être intelligent. Boke Bosali, Bosali et Lokowana Nabino ya Kindoki. Vous avez été habitué de la même façon par Mobutu. Mobutu vous dit, allez-y chercher un premier ministre. Vous partez derrière, vous mentez, Etienne Tshisekedi. Et puis vous retournez là-bas, vous ressortez Kengo. Et Loko Moko Mokowana, Bozaka Bongo. C'est-à-dire que l'éducation n'a pas été bonne. Vous avez été des escrocs intellectuels. Je dis bien les escrocs intellectuels. Qui voyaient que vos poches, vous ont utilisé Congolais pour vous faire le nom. Nyamui, c'est la même chose.
Matungul, la même chose. Tout le monde a été blanchi. Les Kalombo, au travers avec Kabila, ils ont été tous blanchis. Maintenant, on vous blanchit. Après un moment donné, vous commencez à dire, oh non, nous ne pouvons pas travailler la main sale. Tout ça pour Bukominasuka. Bukominasuka. J'étais étonné aujourd'hui. Je vois que la main sale donne une voiture ou bien un véhicule à notre cardinal. Je me suis dit, non, cardinal, boyamutukawana, ils ont la main sale à Tshisekedi. Mais cardinal, le bain, le kouanate, azoa mutuka pa sepeli. Alobi ke ba prometaye, et pas ba toakabila, ba prometaye mutuka, azoa ngote. Lelo, amoni yango, tout le monde ba moni yango. Nga nazo se la kaka na motem, nazo baka nzambe, ou aza cardinal na biso, alo baka ke oyo mutuka, ba pesi yango na men sal, po ape satanga y mutuka wana. Rien, azu yango. Vous voyez, quand votre intérêt est accompli, quand votre intérêt est satisfait, le Congo va mieux. Quand votre intérêt n'est pas satisfait, le Congo est en péril, le Congo a une main sale. Mais nous nous rendons compte que la main sale du Congo, c'est la main qui a béni le Congo. Vous qui avez des mains propres, vous êtes des démons. Vos mains n'ont rien fait pour le Congo, vos mains ont détruit le Congo. Alors arrêtez de distraire le peuple, parce que nous voulons le vrai changement des mentalités et l'éveil de la conscience. Peuple congolais, en 2023, Bokoki ko voté Banyangala Katate. En 2023, vous devez censurer les gens. En 2023, je vous éveille pour prendre votre avenir entre vos mains. En 2023, vous devez nous prouver que vous êtes des vrais Congolais. En 2023, vous avez votre destin dans vos mains. En 2023, vous devez montrer que le Congo n'est pas le Congo d'hier. Ça, c'est un Congo nouveau. En 2023, vous devez prouver aux gens que ce pays ne va plus marcher de la même façon. Voilà ce dont nous avons besoin. Ndeloko Tolingi. Congo ya sika. Au moni papier na nzela ou le koti. Conscience na yo moko ebisure loko za mabe. Ba pesio mbongo oboyi. Ou le bipo na nzala, kola na nzala, pona mboka na nana kote ki sangote. Voilà ce dont nous avons besoin pour la Congo na biso. Le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Ce qui bo komi na niveau wana, bo gomona ke Congo e kouza transformé. Bino moko bo moni, hein? Siemens. Compagnie à Bolit, à Gaillard, y a Allemands. Les Allemands ont compris que, moi, la mère a eu à Ouassé, à Tamboli, partout, à Keba, Sochi, à Keba, Japon, à Keba, Serbie, à Keba, State, à Keba, partout, à Comité, à ba France, ba Belgique, à Komia, ba Allemands, ba Lobby, tozo signé, kakasikoyo. Malgré que tu nous as dit en dernier, nous allons signer maintenant compagnie de la Bissot, il y a Gaillard, Siemens, la plus grande compagnie mondiale. Il y a Balma et le Bic est toujours qui est de Congo. Ils vont faire tout ce qui est machinerie électronique et puis et tout ce qui est bloc, il y a Gaillard. Je ne sais même pas comment vous expliquer. Parce que Siemens est dans toutes les machines. À Taba, MRI, ba machine, il y a ba scanner, tout. Ils sont dans tout. Ils disent que nous venons et on va former les Congolais, on va s'entendre sur le contrat Tozoyana Congo pour travailler. En même temps, j'ai vu les caméras avec les autres en Afrique du Sud, Bazolo Makambwa Inga, pour venir utiliser les grands centres congolais qui ont besoin de ça. Là où il y a des compagnies comme le Grand Katanga, le Grand Kasai et Kinshasa, le Grand Kivu, tout a été énuméré avec le Grand Équateur pour mettre tout ça avec Inga. Il y a plus de 100 000 mégawatts. Je vous dis que le Congo est en train de venir avec une force de croisière. La main sale est en train de travailler parce que nous avons compris que c'est dans cette main sale-là qu'il y a tout. Si vous voyez le lion est dangereux, il peut vous vomir. Mais Samson a trouvé le miel dans ce lion qu'il avait tué. Aujourd'hui, nous avons compris que dans la main sale de Tshisekedi, c'est là où il y avait le bonheur du Congo. Boloba Keza, main sale. Mais nous avons compris que c'était votre langage, la démagogie. Vous voulez nous mentir. Au fait, c'était la main la plus propre qui puisse exister. C'est ça même Maboko Pembe Tolobaka. Congolais comprenant, Bendabou la Rabi. Non! Oaza Maboko Pembe. Et vous qui appelez main sale, vous venez en courant. Vous voulez maintenant que la main sale là vous donne le travail pour Zopé Moussolo. Non! Cherchez du travail. Ici, le changement de mentalité et l'éveil de la conscience est pour réveiller le peuple congolais. Makambo est commis à Paris. Tolo banano koutou. Bino pe ba conseiller président Bolekisi. Bolinika ba kop. E onin. So ki bo koni na tseke de napoto. Bo sala makambo na présidence. Té. Il faut de l'ordre à la présidence. Si vous ne pouvez pas payer les gens que vous avez promis, ne promettez pas.
Si les gens peuvent être volontiers en train d'aider, laissez-les les faire volontiers. Mais si les gens aident, vous les appelez, vous dites que venez, on va vous donner de l'argent, et vous arrivez, et puis vous ne donnez pas, vous n'avez pas accompli votre promesse, c'est la distraction, ce n'est pas sérieux. Vous abîmez le nom du Congo. Jusqu'à quand? Nous savons qu'il était l'ami du président, mais la présidence n'est pas l'ami du président. La présidence est une institution qui travaille pour le Congo. Alors arrêtez de distraire les gens, arrêtez de venir ici avec la mauvaise mentalité. Oya Mobutu na Kabila Tozoboya. De toute façon, le remaniement arrive. Vous qui êtes à la présidence, vous pensez que c'est du bonheur pour vous. Ça vous serez dessus. Parce que si nous ne voyons pas les résultats, nous sommes dans le président, nous sommes dans le temps, nous sommes tout pour le Congo. Mais si nous voyons que vous ne faites pas de bon travail, vous devez être écarté. La famille présidentielle, nous vous aimons beaucoup. Mais pourquoi quand le président voyage, c'est quand vous, la famille présidentielle, vous voulez venir lui dire bonjour? Non, c'est pas comme ça. La famille présidentielle, pas quand il voyage dans les missions diplomatiques. Mais quand même, soyons sérieux. Donc vous allez voir votre frère qui s'est de 4 ans à voyager. Parce que vous êtes la famille présidentielle. Ah ouais, la famille présidentielle, tous Congolais, nous sommes de la famille présidentielle. Si vous voulez voir votre frère dans sa famille restreinte, vous avez le droit d'aller le voir chez lui à la maison, votre frère. Quand il voyage, oubliez le président. Il ne faut pas suivre partout, famille présidentielle. Bon, si vous êtes remis sous Maïté, parce que vous êtes la famille présidentielle, nous sommes la famille présidentielle. Nous tous, nous connaissons les présidents. Mais on ne doit pas l'embêter à chaque instant, le voir à chaque moment. Laissez-le travailler quand même. Soyez quand même sérieux. Qui peut vous dire ça, ce n'est que moi? Je dois vous dire parce que je vous aime beaucoup de toute façon. Il faut tout comprendre qu'il faut Moussa Alaï Salama. Vous avez été ami du président, c'est bien, il vous fait confiance, il vous prend au travail. Mais s'il vous demande le rapport et le rapport n'est pas bien fait, il vous écarte du travail. Mais il vous aimera toujours. C'est comme ça le changement de mentalité. Parce qu'ici, c'est l'intérêt commun, l'intérêt suprême, l'intérêt de la nation congolaise. Voilà chez Gustave Kalonji. Nous disons des vérités, nous parlons pour que le changement soit effectif et un changement radical. Voilà, nous devons comprendre ce qui se passe. Il faut tout yokola, tout yébakendengeni, il faut tout ça la makambo. Misale zoya à gogo. Oh non, vous savez, le Rwanda avec la petite compagnie là-bas, la cité cellulaire, boye boye. Binomoko bozo mona ba compagnie zoya. Oya inga zoya wa en Afrique du Sud, ou quoi engager 2 millions de personnes. Parce que courant à Congo Mobimba, courant à Bavoisin Yosotou, courant à Afrique Mobimba, courant à Asie, vous savez combien de gens se sont employés? Siemens, la compagnie allemande, vous savez combien de gens ils peuvent employer? C'est-à-dire que vous ressentez que, oh, nous sommes à Poto Bako Kima, Bako Zonga, ceux qui sont à Paris en train d'attendre n'importe quoi, ils vont fuir. Parce que dans Congo, on va faire les chemins de fer. L'Allemagne a promis 10 000 km de chemins de fer. Entre temps, la Russie. Tant que vous savez, le bloc qu'on se tourne, le bloc qu'on colia, Bachan et consorts, ces gens-là, qui m'a poto. Tovanda kanagisa, c'est toi qui m'a poto, beaucoup mona. Comme je le disais, Tovanda kanagisa, c'est toi qui m'a on n'a pas peur, il n'y a aucun des potos. Vous voyez que ce que tu sens, l'organisation, il y a malam, il y a kitoko, il y a vrai. Ça va marcher pour le Congo. Vous allez commencer à voyager là-bas, potoana, sans visa. Parce que si votre pays a tout, si vous avez un très bon travail, si vous avez tout ce que vous avez besoin, vous pensez que Mundela vous boit le visa? Parce qu'il refuse le visa, il sait que vous avez essayé à la tête, c'est que vous avez mais vous avez un bon futaka. Tu peux prendre l'hôtel. Et il y a qui m'a posé un salaire pour la vie, tu pas bango. Mais si vous avez un salaire belé, coûte, tu peux employer, tu te bandes sur l'Africain, tu peux faire ça dans le Congo. Le blanc te donnera le visa gratuitement. Il refuse de te donner le visa parce qu'il pense que tu vas fuir. Mais le niveau que Fati a zoom Mamakambo. La main propre de Fatih est en train d'amener le travail à Yerobi Ango na Poto. Que d'ici 2-3 ans, le Congo va rentrer et tout le monde sera là. Oh, Bakoloba, oh non, Rwanda a des petites compagnies. Le Congo a des grandes compagnies qui arrivent. Maintenant, imaginez, les Allemands arrivent, les Sud-Africains arrivent, les Français sont là, les Russes sont là, les Japonais avec les Toyota, tout ça de compagnies de Mitsuka et Bazongi, bah, américains. Ce que vous avez oh non, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, Bango moko ba tuana nde ba kolongo la yo. Bango le bate affaire na biso zope sa vrai. Tolingi bo meka na Congo susute. Mundele, o touche intérêt na ye. Compagnie si e vandi, o zoma na mbongo. Parce que na poto est déjà saturé, hein. Na poto est déjà saturé. C'est pourquoi des compagnies la commencent à aller en Afrique, en Asie et consorts.
J'étais en Égypte, j'ai vu des compagnies de manufacture à un niveau incroyable. On a pris des contacts, on a parlé avec eux. Ils comptent sur le Congo. Maintenant, vous êtes là distrait. Bokanisi qui est en Congo. Le moment de diviser le Congo, c'est de l'histoire. Oma Boko Pembe Nzambe Pesibiso. Ça, c'est un don de Dieu. Félix Tshisekedi Aza grâce Nzambe Pesibiso à Kopesa. C'est seulement comme Joseph a été vendu là. C'est exactement l'histoire de Félix Tshisekedi. Il a été vendu par ses frères. Au lieu de le vendre en Égypte, on l'a vendu à Genève. La même chose. Ngana pesa bino ka analogie, na pesa bino ba prototype pour comprendre. Ils l'ont vendu. Mais je vous dis, ces mêmes frères là vont revenir. Ba bango revenir non? Pour ba congolais baza tellement faible d'esprit, ça n'a même pas pris une année. Mango bango wana, ba pakati mango bazo zonga. Oh non, nous pouvons te reconnaître. Té dit que nzala moyen zate to ko vivre té. Nzoka sikoyo. Il faut attendre tika la ndenge boza wana. Poso ko zongi. Tokangi ola kimoyibi, oyibi le pango abo tumusu mozito, okoti buloko mbala moko. Parce que tu comprends que boza bandoki. Boza bantior, comme on dit chez nous. Vous ne voulez pas le bonheur du Congo, vous voulez votre propre bonheur. Nous les Congolais, on a reconnu Félix Tshisekedi. Vous, si vous ne l'avez pas reconnu, on n'a pas besoin de vous, vous êtes des sorciers. Pourquoi vous voulez reconnaître quelqu'un qui a une main sale? Vous devez rester faire votre vie. Faites tout que les investisseurs ne viennent pas, mais ils vont venir en abondance incroyable. Et vous serez dessus parce que vous n'allez pas kolonga Congo na biso, Congo ya ba koko, Congo ya biso, Congo ba pesa biso pa nzambe. Voilà la réalité. Les mains propres de Félix Tshisekedi sont en train de travailler pour le Congolais. Nous voulons changer la nation, mais nous devons la changer avec tous les Congolais. Pour na ba ene o ba musu za mete ma mabe, en tout cas pour comprendre bango. Les lobes avant de la taba tricot n'a pas chemise à un père. Non, non, il ne faut pas nous distraire, c'est simple. Vous connaissez où se trouve l'ambassade congolaise. Allez-y remettre les passeports congolais. Boken une ambassade zaïroise. Et bonouka, bah passeport zaïrois. Bonouka ambassade y'a bazaïrois. Boken de bozo, passeport zaïrois nabino. Si vous êtes fort avec vos leaders d'opinion de l'immoralité, avec les, l'opinion des leaders de l'ignorance, brûlez votre passeport congolais tout le monde. Si vous avez une moto, brûlez votre passeport. Parce que c'est là où on a mis vos sceaux de réfugiés dans votre passeport. Bon, mec, vous nous mentez avec une distraction, vous brûlez les papiers, vous brûlez les drapeaux. Non! Commencez par brûler les passeports congolais que vous avez. Brûlez ça, prouvez-nous que vous avez abattu. Distraction, pas d'intelligence, éducation nulle, zéro. Vous n'avez pu rien faire. Voilà, vous êtes là en train de vous distraire. Vous ne pouvez rien faire. Quand les Banyamulenge sont en train de parler pour aller faire des marches, vous ne faites rien. Quand on tue des jeunes Congolais en Belgique, vous ne faites rien. Mais pour vous, c'est parler contre Chilombo. Parce que c'est lui qui vous embête. Quand vous n'avez pas de vision, vous êtes un peuple mort. Changez vos mentalités et transformez-vous. Voilà ce dont nous avons besoin au Congo. Ici, chez Gustave Kalonji, nous parlons sur le changement des mentalités et l'éveil de la conscience. Quand on voit quelque chose qui n'est pas correct, nous en parlons. Nous sommes là pour redresser l'intelligence et le raisonnement, l'éducation du Congo. Parce que tous les jeunes Congolais ont besoin d'une éducation gratuite. Voilà ce qui va nous aider. L'éveil de la conscience patriotique. Vous avez un seul pays et nous sommes tous unis. Nous sommes un seul peuple. Toutes les tribus, tous les villages du Congo, nous sommes un seul peuple. Voilà pourquoi nos langues sont presque les mêmes. Et voilà pourquoi nos grands-parents, si nous rentrons, sont presque les mêmes. Alors il ne faut pas venir nous raconter, oh nous sommes venus en 1880. Vous savez quand que moi je suis venu au Congo? Quand je vois notre généalogie avec mon père, on regarde jusqu'à la 14e, 13e génération. 13e siècle, je veux dire. 14e siècle, je vois mes arrière, grands-parents. 13e, 14e siècle. J'ai ça dans mes cahiers. Toi, tu viens, tu me parles de 1880. Aujourd'hui, il n'y a même pas quelques jours. Et tu me dis que tu es Congolais. Bah, Congolais, bah, où t'as les lotés? T'as où t'as Moussika? Beaucoup de gens qui existent, même les Sud-Africains, si vous ne savez pas, ils viennent du Congo, pour votre information. Les Angolais viennent du Congo, les Zambiens viennent du Congo. Le Congo, c'est un grand bassin, si vous ne saviez pas. Mais vous, vous êtes venus du côté de Nlotik, Nalikolokuna.
Ceux qui boquaient les Camerounais, ce sont des, ils viennent du Grand Congo. Ceux qui boquaient les histoires, n'a rebête la cabine histoire Mokolo Moussous. Merci de nous avoir suivis. Je vais vous demander une faveur. Vous partagez et aimez nos vidéos. Ça, je continuerai à le dire parce que si vous voulez participer au changement des mentalités patriotiques, au changement des mentalités de l'éveil de la conscience patriotique, vous devez commencer à aimer nos vidéos, à vous abonner. Vous parlez du Congo, mais vous ne voulez même pas vous abonner pour écouter l'éveil du Congo. Vous ne voulez même pas partager nos messages, mais vous devez les partager pour parler sur l'éveil du Congo. Voilà ce que je vous demande. Merci de nous avoir suivis. Partagez nos messages avec beaucoup d'autres frères et sœurs et confrères et consœurs du Congo. C'était bien votre frère Gustave Kalonji. Bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très bientôt. Au revoir.